Bonjour à tous, bonjour à tous. Je suis Fabrice Hernandez. Nous sommes donc ici à la 63-65 Collins Avenue afin de voir le marché concernant les achats et les ventes sur donc les achats pardon et les locations sur le building Akoya, l'Akoya Building. Voyons voir donc comment est ce building. Ce building, 528 appartements au total, 11 units par appartement. 18 étages réunis sur deux tours, comme vous pouvez le voir. Donc, nous avons ici 12 propriétés en vente sur ce building. Nous avons donc une nouvelle propriété qui est le 2806, qui est un appartement qui est sur le coin au 28e étage, qui a une chambre, une salle de bain et demi, qui a été listé au prix de 715 000 $. Et nous avons également donc le 3303 qui vient juste d'être sous contrat. Un appartement avec 3 chambres, 2 salles de bain et demi au prix de 2 299 000 listés. Nous verrons à quel prix il va être vendu à la fin du process au moment du closing. Et c'est tout. C'est uniquement ce que nous avons concernant les ventes sur le building. 12 appartements en vente, 2 appartements listés, un qui est sous contrat déjà également. Donc, ce que ça veut dire AC, under contract, donc qu'il est sous contrat, c'est que le propriétaire a accepté une offre d'achat, une offre avec un crédit. C'est pour ça la différence que nous avons entre pending et AC, under contract. OK? Donc, voyons voir pour le marché des locations. Le marché des locations, nous avons 29 appartements en location sur ce building. Donc, nous allons voir 3 nouveaux appartements, le 1806 qui lui est mis en location à 3550 $. Nous avons également, donc celui-ci était une chambre, une salle de bain et demi. Donc vous voyez un petit peu le prix du marché aujourd'hui, ici sur Collins à la plage. Le 3204 qui est lui à 2 chambres, 2 salles de bain et demi, qui lui est mis en location à 4 900 $. Nous avons également le 1109 qui est une chambre, une salle de bain et demi qui est mis en location à 4 000 $. Nous en avons un qui est loué, le 2708. Le 2708 est loué au prix de 5 950. Nous verrons ici exactement sur le closing le prix exact dont il a été loué. Et enfin, nous avons donc un autre qui est expiré, c'est-à-dire que le listing est arrivé à fin et qu'il n'a pas été loué, le 4311. Il a un très très bel appartement au 43e étage, une chambre, une salle de bain qui était au prix de 6 000 $. Voilà guys, donc si vous voulez savoir le prix exact de votre appartement, si vous voulez savoir le marché au niveau du building, si vous voulez savoir le marché au niveau de la zone ici directement sur Miami Beach, vous pouvez directement me contacter à mon numéro personnel 786-603-0184. Vous avez également la possibilité de prendre rendez-vous avec moi directement sur mon calendrier électronique. Le lien est ci-dessous. Cliquez ci-dessus. Prenez un rendez-vous à votre convenance. C'est 30 minutes gratuit afin de vous informer quel prix vous pourriez mettre à votre appartement pour pouvoir le vendre ou quel prix vous devriez investir pour acheter un appartement avec une rentabilité qui vous convient. Voilà, je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, nous allons faire une vidéo chaque semaine concernant ce building au niveau des achats et au niveau des ventes. Nous allons faire toutes les semaines le report des locations et des achats afin de vous tenir informé. Donc si vous voulez rester informé aussi bien concernant ce building que l'activité immobilière ici sur Miami Beach, cliquez simplement sur subscribe, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, c'est gratuit, ça vous permettra de recevoir une notification, activez les notifications d'ailleurs, cliquez sur la cloche. Ça vous permettra donc de recevoir une notification dès que je mets une vidéo en ligne. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis donc à la semaine prochaine. Bye bye.